Je vais recommencer. Je suis Nicolas Bonlieu, trésorier à Basiliade et bénévole depuis une vingtaine d'années. Je suis Noémie Stella, je suis une doctorante auprès de la Normale Sup et de l'EHSS et j'ai mené une recherche action avec Basiliade. Basiliade est une association de lutte contre le sida qui est née il y a maintenant 27 ans et qui accueille et accompagne des personnes en précarité, souvent touchées par des pathologies chroniques. Cette recherche action née du constat que les jeunes LGBTQI+, donc les personnes qui s'identifient en tant que lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes ou autres, cumulent toute une série de discriminations qui ont un impact sur leur qualité de la vie. Ces discriminations peuvent s'y traduire donc dans une précarité d'hébergement, dans des précarités économiques très importantes. Dans les cas des personnes exilées, par exemple, ça va s'ajouter une autre dimension qui est la dimension de la précarité administrative et juridique. Et toutes ces discriminations-là, en fait, elles s'imbriquent et elles vont plonger les personnes dans des situations très difficiles à vivre. Et c'est ça qu'on avait envie de visibiliser, donc de donner les voix à ces jeunes pour raconter leur récit. Ces projets se développent donc en deux parties. La première partie est celle de la recherche donc, qu'on a menée jusque-là pour identifier les besoins des personnes LGBTQI. Et là, vraiment, on a vu que les fils rouges, c'était l'hébergement, donc une précarité d'hébergement. Et pour répondre à cette constatation-là, on a décidé tous ensemble avec elle et avec eux de mettre en place des appartements partagés où ils et elles pourront être, c'est une passerelle vers l'autonomie. Les bénéficiaires de ces appartements-là pourront aussi bénéficier de l'accompagnement multidisciplinaire de la société Basiliade, donc d'être suivi par la psychologue, les assistantes sociales, la juriste, l'insertion professionnelle, tous les services dont Basiliade dispose. Les bénéficiaires du projet sont essentiellement de jeunes LGBT en errance, issus de parcours migratoires, souvent traumatiques, d'origine d'Afrique subsaharienne pour la majorité. Environ 45 bénéficiaires, une moyenne d'âge de 26 ans et un écart de 16 à 35 ans. Ce projet se passe essentiellement en Île-de-France, Paris intramuros et sa périphérie. Cette recherche action permet de partir des expériences vécues par les personnes et les mettre en place dans un projet concret. Et en plus, souvent dans les recherches, on écoute et on prend des récits des personnes concernées, mais finalement, on ne fait rien après. Et dans cette recherche action, on arrive à faire que les personnes qui participent à la recherche action sont à la fois les personnes qui donnent les éléments pour que cette recherche soit possible et qui sont les bénéficiaires aussi de ces services qu'on va réussir à mettre en place. Le soutien apporté par la Fondation permettra à Basiliade de financer notamment une équipe pluridisciplinaire d'accompagnement psychosocial, ainsi que des logements en colocation de 2 à 3 personnes, avec possiblement un mécénat de compétences de la part de la Fondation. Ces projets marchent bien, l'idée ça pourrait être aussi de reproduire ces types de modèles au niveau national et notamment d'utiliser les résultats de la recherche action comme outil des plaidoyers pour sensibiliser l'opinion politique et publique.